T'as encore joué. 1 minute et 14 secondes, c'est l'écart entre le vainqueur du jour et son dauphin Paddling Connection. Une équipe 1 de DT qui a patienté avant de voir la victoire se profiler. C'est qu'à l'approche de la passe de Teava Pitiara que l'écart a été constaté. Le choix de cap 2 DT a été payant malgré le manque de visibilité, comme vous avez pu voir dans le sujet. Le Peperu Retehab a su ajuster la trajectoire de la Matahina Laté, le modèle de vague qu'utilise DT, et seul Paddling a pu rester dans son sillage. On attendait Shelva. Finalement, grosse contre-performance de l'équipe d'Albert Mux. Presque 7 minutes de retard sur le premier. Autant dire que c'en est fini des chances de victoire finale. Sauf énorme surprise. Demain, une étape de sprint entre Rayatea et Traa, 26 km à l'intérieur du lagon. Ça va aller très vite. Moins de 2 heures pour les premiers. Et c'est l'année dernière que le record de l'étape a été établi par EDT, équipe 1 justement, en 1h50 minutes et 26 secondes. On voit donc mal l'équipe favorite craquer sur une distance plus réduite, d'autant plus que des rameurs cadres tels que Lono Teuru, Emanate à Bob Dupont ou encore Aroa Dubois ont été préservés. Un turnover qui devrait payer au terme des 3 étapes. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui sur ce Habeki Nuiva en direct.